Bonsoir Maud Ventura. Bonsoir. Si vous saviez comme je suis contente. On est avec vous pour parler de Célèbre, donc, qui est sorti aux éditions Iconoclaste, après le fameux Mon mari, je n'ose même plus présenter, tellement il aura été un succès qu'on souhaite à votre deuxième roman. Maud Ventura, par quoi est-ce que vous êtes obsédée, vous, puisque vous avez quand même un truc avec les personnages tout à fait obsessionnels? Je plaide coupable. Je suis obsédée par l'écriture, je pense. Et là, en ce moment, par exemple, je n'écris pas. Et ça me manque, il me manque une obsession autour de laquelle pourrait tourner ma vie. Obsédée dans quel sens? Vous écrivez tous les jours absolument, avec des codes? Vous écrivez parce que tout vous fait réagir et vous avez un petit calepin dans la poche? Comment vous êtes obsédée, vous? Exactement comme vous le décrivez, je suis obsédée par mon sujet. Pour mon mari, c'était le cas, c'était l'histoire d'une femme très amoureuse de son mari, donc j'étais obsédée par la question de l'amour-passion et est-ce qu'on peut aimer trop fort quelqu'un. Et puis j'ai commencé à écrire Célèbre, et là j'ai complètement été fascinée par la célébrité, et toute ma vie pendant plus de 2 ans a tourné autour de ça, donc j'étais complètement fascinée par la question de la célébrité. Donc concrètement, je prenais des notes toute la journée. Dès que je rencontrais quelqu'un, je lui demandais: toi, est-ce que tu es fan de quelqu'un? Est-ce que tu as déjà rencontré une célébrité? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et donc j'allais chercher des anecdotes et je vivais dans mon obsession. Obsédé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut rien faire d'autre, parce que les personnages, vos personnages sont comme ça, ils sont paralysés quelque part. Non, je peux faire autre chose, mais c'est comme une passion amoureuse qui teinte toute la vie de plus de couleurs. Donc cette obsession, elle est en fond continu. Et donc quand je suis en train d'écrire, je suis très heureuse et je suis très obsédée. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'amour hein, dans vos personnages. On a la sensation qu'elles aiment trop. Oui, c'est des personnages, dans les deux cas, très intenses. L'une aime trop son mari, l'autre aime trop la célébrité. On est vraiment dans le trop. Et là, on en vient peut-être à mon exagération dans l'écriture. Et c'est ce que j'aime beaucoup, l'idée de pousser le curseur et d'aller chercher les extrêmes plutôt que la modération. C'est dans ces moments un peu limites que la littérature m'intéresse. Parce que quand c'est tiède, ça ne vous intéresse pas? Oui, ou peut-être que quand c'est tiède, je n'arrive pas à en tirer quelque chose qui me touche ou qui m'intéresse. C'est précisément quand je vais trop loin que j'ai l'impression de toucher à quelque chose de sincère, paradoxalement. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la schizophrénie un peu? Alors, on le dit toujours hein, pour les auteurs, quand on écrit à la première personne, ce personnage. Le truc, c'est que vous décrivez quand même des personnages suffisamment extrêmes pour que on a l'impression parfois que le livre transpire. Hein. On est, nous, lecteurs, un peu dans cette peau-là, en se disant, OK, c'est une écriture un peu au vitriol, très acérée, vous nous tenez par la main. Il y a quelque chose de presque violent, de presque virulent. Est-ce que vous avez finalement, dans votre écriture, dans ce rapport à l'autre, comme ça, dans ces personnages, quelque chose qui va le chercher vraiment au tréfonds du pire qu'il puisse être? Oui, effectivement, j'ai une grande recherche, je pense, de précision et d'aller voir jusqu'où mon personnage peut aller et d'aller disséquer. Et ça tient peut-être aussi dans ma manière d'écrire, qui est très itérative. Chaque scène, je l'écris 100, 200 fois, 300 fois. J'écris une première version, puis une deuxième, puis une troisième. Et donc, à chaque fois, j'essaie d'aller plus loin, au plus juste, de trouver le bon mot. Je ne suis pas du tout dans une écriture dans le lâcher-prise. Enfin, d'une certaine manière, oui, mais je ne pourrais pas vous dire « Ah, j'ai écrit ce livre en 2 mois, c'est tombé sur moi, j'étais dans mon obsession et en 2 mois, ça a coulé, je l'ai écrit. » Pas du tout. C'est des mois et des mois et des mois, et puis des années de travail et de recherche, avec beaucoup de joie et beaucoup de jubilation, beaucoup de remise en question aussi. Mais donc c'est peut-être ça qu'on ressent dans cette précision, dans ce scalpel, dans ce zoom. Voilà, j'essaie de regarder mes personnages au plus près. Est-ce que vous écrivez sur le quotidien, finalement, quoi qu'il arrive? Oui, toujours quoi qu'il arrive. Je m'en suis rendu compte, particulièrement dans Célèbre, qui met en scène une femme très, très célèbre. Et je me suis posé la question de son quotidien. Et
pour la première fois, ça m'échappait parce que de fait, je n'ai pas de villa à Los Angeles. Pas encore, peut-être un jour. Et c'est très, très loin. Et son quotidien est très loin de ma vie. Je n'ai jamais chanté devant 200 000 personnes. Je n'ai jamais fait de tournée mondiale. Je n'ai jamais été dans un jet privé. Et donc, son quotidien m'échappait. Et je me posais des questions. Je m'en suis rendu compte très prosaïque. À un moment dans l'histoire, elle déménage à Los Angeles dans une villa. Et je me disais, mais est-ce qu'elle dort toute seule dans sa maison? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un de la sécurité, un garde du corps, qui dort peut-être dans une chambre à côté ou dans une autre maison? Est-ce que c'est elle qui ferme sa porte à clé? Est-ce que c'est elle qui ouvre ses volets le matin? Est-ce que c'est elle qui fait griller ses tartines? Je me posais tout un tas de questions sur le quotidien. Et effectivement, j'ai eu besoin de ces éléments pour voir mon personnage et j'avais envie de la voir dans sa cuisine le matin. On a l'impression que, à travers vos deux romans, parce que celui-là sort, mais il a quand même, et on va y revenir, hein, il y a évidemment quelque chose de très intéressant dans votre écriture qu'on retrouve dans les deux livres. Quand je vous parle du quotidien, c'est-à-dire que, en fait, vous nous faites partager ça. Là, finalement, la question qu'on se pose en lisant, c'est est-ce que vous cherchez à trouver les pensées noires qu'on a tous et qu'on n'ose pas assumer? Oui. Oui, peut-être que c'est d'abord une quête intérieure. De me poser la question de ma propre part d'ombre. On a tous des choses qu'on n'aime pas chez soi et qu'on a tendance à mettre sous le tapis. Et donc l'écriture est déjà un moment de vérité, un moment où on se regarde, en tout cas dans mon cas, où je me regarde dans le miroir et je me dis ok, si tu es un petit peu honnête avec toi-même, qu'est-ce que tu ressens? Et donc peut-être que c'est ça le point de départ. C'est aussi d'aller creuser mes doutes, mes failles, mes défauts. Et en même temps, ma manière de le faire est dans la fiction et en m'éloignant au plus de moi. Parce que là, en m'écoutant parler, j'ai presque l'impression d'écrire de l'autofiction où je serais à la recherche d'une vérité, alors que ce n'est pas du tout mon cas. Et j'écris des personnages qui, de fait, sont très différents de moi et très loin de moi. Mais je me suis rendu compte que c'est dans la fiction, en inventant un personnage, en inventant une histoire, une scène. Cette femme est blonde, elle a une frange, elle est grande, elle est élancée, elle est plein de choses que je ne saurais jamais. Mais c'est en créant ce personnage de fiction que je peux me questionner sur ma part d'ombre. La question de la part d'ombre est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, et puis cette histoire du quotidien, vous nous invitez finalement à réfléchir à la raison pour laquelle on exécute des petites tâches, on lâche des phrases facilement sans même y réfléchir tous les jours. En fait, avec votre livre qui pousse le curseur très très loin, vous nous invitez à réfléchir à ça en se demandant, mais finalement, est-ce que moi aussi, parce que qui dit obsessionnel dit un lien avec la manipulation quelque part. Donc il y a de ça quand même dans vos personnages. Ils sont manipulants ou manipulés, on ne sait pas. Enfin, ils sont toujours un peu. Mais en tout cas, la colonne vertébrale, c'est aussi un grand intérêt pour la manipulation. Oui. Et ça fait partie des choses que je découvre maintenant que ces deux romans existent. Ce n'était pas un thème de recherche conscient. Pour le coup, la célébrité était un terme de recherche conscient. J'avais envie de comprendre ce que c'est qu'être célèbre et d'aller au fond de cette exploration. Et donc, j'écris à partir d'un thème, j'écris pour explorer un thème, et donc célèbre est né. Et maintenant que ce livre existe, je me rends compte des liens avec mon premier roman, Mon mari, et puis même de thématiques qui ressortent, mais qui n'étaient pas des thématiques que j'avais particulièrement souhaité aborder, mais qui en découlent, qui découlent de mon écriture, qui découlent de mes questionnements, qui découlent de, je pense, de mon inconscient. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe. Et effectivement, la question de la manipulation est une question qui me fascine. Et peut-être qu'un jour, je ferai un livre sur cette question-là. Et donc, c'est comme si elle était, comme vous dites, un peu dans tous mes romans et présente. Mais en même temps, j'arrive pas à la saisir. J'ai pas réussi à l'attraper et à en faire un thème de roman. Donc elle est là sans être là. Dans ce livre-là, on suit en fait finalement la vie d'un personnage. Hein. On commence avec elle, elle est petite fille, elle sait qu'elle sera célèbre, et donc on la suit. Et donc, alors quand on commence vos livres, c'est ça qui est quand même génial. On commence en se disant. Ok, comment elle va tenir 300 pages sur bon, elle va être célèbre. Ok, elle est célèbre. Je me suis posé la même question. Vous êtes hyper forte pour des rebondissements, des choses inattendues. On est dans ce sens-là, dans l'écriture, on n'est pas loin du polar. C'est un grand compliment parce que la narration est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture, la question de la forme,
La question du lecteur, du pacte de lecture que je passe avec lui, quelle est ma promesse ? Qu'est-ce que j'ai envie de lui offrir ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Et la question du roman, la question du personnage. C'est vrai que dans mon idéal, un livre est avant tout un... J'ai pas envie de dire avant tout un espace de plaisir, mais ça l'est aussi. Et donc, écrire une histoire qui ne tombe pas des mains du lecteur est déjà quelque chose de très important pour moi et qui me donne beaucoup de fil à retordre. Comment créer un personnage qui existe, qui prenne vie ? Comment créer un début de narration qui donne envie de lire la suite ? Comment créer des rebondissements ? Et donc, tout ça passe par le découpage des chapitres, par une question du rythme, par beaucoup de réflexions sur les rebondissements. Et donc, c'est une partie du travail d'écriture à laquelle je consacre beaucoup de mon jus de cerveau et qui me donne beaucoup de fil à retordre. C'est intéressant parce que dans Mon mari, en fait, on est sur une semaine. Là, on est sur une vie. Donc, il y a le temps à son rôle particulièrement dans votre écriture. Oui. Peut-être que j'ai aussi écrit Célèbre en réaction à Mon mari. Mon mari, effectivement, se passe sur une semaine. Chaque chapitre est un jour de la semaine, du lundi au dimanche. C'est un huis clos. Il y a ce personnage principal et très peu de personnages secondaires. Donc, on est très resserré dans le temps, mais aussi dans l'espace, dans la problématique. Elle aime son mari. Elle aime son mari. Et c'est à peu près tout. Et donc, quand j'ai commencé à écrire Célèbre, j'ai eu envie d'espace. Ça se passe entre Paris, New York, Los Angeles. Il y a beaucoup de personnages secondaires. Le livre est plus long, plus ample en termes d'espace et même de thématique, où je me suis accordée un peu plus de digression ou de pas de côté. Toujours, pour mieux comprendre la célébrité, je m'éloigne en général pas trop de mon but. Mais et donc, je me pose toujours la question, est-ce qu'on écrit des livres en réaction ? Et je pense aussi que l'écriture est un apprentissage et Mon mari était mon premier roman. Donc, il y avait aussi cette question d'apprendre à écrire. Et je pense qu'on continue à apprendre à écrire toute sa vie. Et donc, ça a été aussi un apprentissage de créer des personnages secondaires, les faire revenir, des choses aussi prosaïques. Pour un lecteur, ça lui paraît évident, mais quand on est de l'autre côté, avoir des personnages qui existent, puis qui disparaissent, qui reviennent 200 pages plus loin, où les lecteurs savent très bien qui est Juliette, sans devoir dire Juliette, l'amie d'enfance de Cléo. Et donc, tous ces jeux de personnages qui apparaissent, qui disparaissent, c'était un... comme une nouvelle corde à mon arc romanesque que j'avais envie d'avoir. Donc effectivement, en termes de temporalité, on n'est plus du tout dans le même espace. Et maintenant que je réfléchis au troisième, je me dis, oh, j'aimerais bien faire un roman très resserré. Donc est-ce que ça serait un ping-pong aussi ? Est-ce que vous avez un prisme sur la vie qui est très ludique ? Parce que quand même, on se marre énormément. C'est atroce, hein, celui-là, ouais. C'est atroce. Mais on s'amuse beaucoup, quoi. C'est-à-dire que ce personnage, vous lui glissez quand même par-ci, par-là, parce qu'elle, elle est dingue, hein, on est d'accord. Mais quand même, vous lui donnez des petites respirations de temps en temps, et à nous aussi, vraiment, il y a des trouvailles hilarantes. Est-ce que vous avez un prisme sur la vie qui est très ludique ? Oui, c'est difficile de développer ça, c'est vraiment mon rapport au monde. Dans ma vision, l'humour et la légèreté n'empêchent en rien la profondeur. Et j'ai pas du tout peur de mon sens de l'humour. Je m'en suis rendu compte aussi en publiant, c'était pas un désir conscient, c'était pas un projet littéraire conscient. Mais j'ai l'impression parfois que certains auteurs, certaines autrices ont peur de l'humour, comme si une touche d'humour amoindrissait l'ampleur littéraire ou le sérieux du projet littéraire, alors qu'à mon sens, on peut écrire de très grands livres qui sont aussi, mais pas que, mais aussi drôles. Et donc la question de l'humour est très importante pour moi, et notamment parce que la question c'est toujours de quoi on rit, avec qui on rit. Je pense à Molière, mais ça pose vraiment cette question de faire rire le lecteur d'un défaut de l'un de mes personnages. Quelle puissance, mais quel outil romanesque incroyable de miroir, de prise de distance, d'ironie. Soit le lecteur peut dire oui, c'est un défaut que je reconnais en moi ou que je reconnais dans les autres. C'est incroyablement puissant, il faut bien l'utiliser. Mais je trouve que c'est une arme littéraire redoutable et je regrette parfois que j'aimerais que plus d'écrivains s'emparent de l'humour. Soit drôle, qu'on se marre plus quand vous lisez un livre. Plus. Oui, oui.
En tout cas, parfois, ça me manque. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais celui-là, en tout cas, il est vraiment réjouissant. Et puis surtout, il est surprenant. Et là aussi, vous avez l'art du rebondissement de plusieurs façons, pas seulement dans l'action, puisque on est dans une scène tragique où vos personnages dévisent quand même parfois de façon assez remarquable. Hein. Et donc, c'est vraiment des moments où on s'attend le moins à ce qui est tout d'un coup une phrase si drôle qu'on la relie à deux fois en se disant j'ai bien compris. Et donc c'est un élément qui quand même vous donne une grande singularité parce que tout converge vers une chute tout à fait inattendue. Vous êtes la reine de la chute quand même. Mon mari, c'était déjà le cas. Là, pour célèbre, alors là, je dois dire que vraiment, c'est réjouissant pour un lecteur. La chute, vous l'avez au démarrage. En commençant votre écriture? Oh non, mais il eût fallu, ça m'aurait empêché bien des tourments. Je n'avais pas la chute de célèbre quand j'ai commencé à écrire célèbre. Et je distingue deux moments dans l'écriture. Je ne suis pas un auteur qui d'abord se documente, fait un plan détaillé et ensuite se met à rédiger. Je fais tout en même temps. Je commence à écrire et en écrivant, donc je prends beaucoup de notes, j'écris des scènes, en même temps je me documente, en même temps je réfléchis à la forme. Donc j'écris. Je produis beaucoup de textes et ensuite je me dis qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et il y a vraiment un moment où je me souviens précisément de cette scène où j'ai un texte mais je n'ai pas un roman. Et je fais bien la distinction entre les deux. Et donc, j'ai des pages et des pages et des pages de scènes sur la célébrité. Parce que j'écris d'abord aussi avec la joie et ma jubilation. Donc, je me dis, oh, il faudrait que j'écrive une scène où elle a un concert. Et je vais aussi écrire une scène où elle est avec ses fans. Oh, puis, je vais aussi écrire une scène où elle est petite à l'école primaire. Elle fait un spectacle. Et donc, j'écris des scènes à gogo. Et ensuite, j'ai 300 pages Word et je me dis, mince, où est-ce que je vais? Et donc, ça faisait, je pense, un an que j'étais en train d'écrire célèbre. J'avais énormément de matière, mais j'avais pas de roman. Et donc là, c'est une discussion avec mes éditrices. J'ai deux éditrices à l'Iconoclaste qui me disent, on sait que tu es en train de travailler sur un texte, est-ce que tu veux nous envoyer quelque chose? Et là, je me rends compte que je n'ai rien à leur envoyer. J'ai beau avoir 300 pages, j'ai pas de roman, j'ai rien de lisible, en tout cas à mon sens. Et donc là, grande montée d'angoisse. Et donc je me pose là, plus précisément, la question de la forme, de la structure, de quelle scène je vais garder. En général, j'en écris 10, j'en garde une. Et notamment la question de la fin, pour revenir à cette question, où je me rends compte qu'effectivement, je ne sais pas où je vais. Et donc il manque cet élément fondamental pour avoir l'architecture globale de mon roman. J'écris la fin, je réécris le début, et donc là je commence à avoir un roman. Et c'est vrai que j'avais été un peu biaisée par l'écriture de mon mari, où je n'avais pas la fin pendant très longtemps, et ça ne m'avait en rien empêché d'écrire ce livre. Et donc j'écrivais célèbre très joyeusement, sans fin et sans penser que cela posait un problème, alors qu'en fait c'était vraiment mon talon d'Achille, parce que ça m'empêchait de construire ce roman et d'en poser l'architecture. Dans ce livre, il y a énormément de sujets très profonds, comme vous le disiez, qui sont vraiment des sujets modernes, des sujets d'actualité. La première chose, effectivement, on s'en doute bien, vous parlez de la célébrité, vous nous renvoyez à l'importance des réseaux sociaux, de l'image, mais aussi de la carrière d'une femme qui est prête à tout, comme on connaît des carrières d'hommes qui sont prêts à tout, mais à tout sacrifier. Mmh. Pour le coup, vous n'épargnez rien. Est-ce que vous vouliez écrire sur ça aussi en écrivant sur la célébrité? Sur quel aspect? Sur cet aspect d'une femme qui, à un moment donné, déploie sa carrière sans aucune concession. Oui, exactement. Ça aurait pu être sur le bandeau du livre. J'aimais beaucoup la question de l'ambition et elle était indissociable de la célébrité. La célébrité est mon thème principal. C'était la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. J'avais envie de comprendre la fascination pour la célébrité, et surtout, c'est un texte écrit à la première personne, j'avais envie de comprendre, de répondre à cette curiosité. Qu'est-ce que ça fait d'être célèbre? Qu'est-ce que ça fait, en fait, de ne pas pouvoir sortir dans la rue, que tout le monde nous court après, que tout le monde nous prenne en photo? J'avais besoin de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça fait, tous ces regards, les gens qui nous touchent? Et ensuite, des thématiques secondaires sont apparues, et l'ambition, la question de peut-on faire de grandes choses en restant une personne intègre, le rapport à l'argent, le rapport à l'impunité, tous ces questionnements secondaires sont arrivés en cours de route. Et ils m'ont passionnée. Et de la position d'une femme. C'est très particulier aussi quand même, non? Bien sûr.
J'avais envie non seulement que ça soit une femme, mais que ça soit une pop star. Et c'est vrai qu'on parlait de l'humour ou même de la littérature. Faire rentrer la figure de la pop star en littérature était un pari plutôt risqué, de jouer avec ces références qui sont a priori très peu littéraires, très modernes, qui sont aussi les références que moi j'ai. Et j'avais envie de m'intéresser à cette figure-là qui, pour moi, est ultra contemporaine, d'une Taylor Swift, d'une Sabrina Carpenter et autres, ces pop stars actuelles qui maîtrisent leur image, qui renouvellent aussi la figure de la pop star. Plus rien à voir avec une Britney Spears ou une Laurie ou peu importe les époques. Et donc, c'était effectivement le fait que ce soit une femme, que ce soit une pop star, que ça ait lieu actuellement, c'était exactement à ça que j'avais envie de toucher. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Tellement de choses. Pour prendre ne serait-ce qu'un seul aspect, les pop stars actuelles ou les chanteuses actuelles qu'on admire sont des femmes en maîtrise de leur carrière et qui écrivent leurs propres chansons. Et donc, ça rebat aussi les cartes et ça pose aussi la question de la création. C'était beaucoup moins le cas il y a encore même 10 ans, 20 ans. Il y avait beaucoup de chanteuses interprètes. Si là, on regarde toutes les stars mondiales, Taylor Swift écrit ses chansons, Billie Eilish écrit ses chansons, Sabrina Carpenter écrit ses chansons. En France, Angèle écrit ses chansons, Clara Luciani écrit ses chansons. Donc, c'est des femmes qui écrivent. Et donc, c'est une nouvelle poétesse qui sont aussi des grandes stratèges. Disent quelque chose de notre époque parce que c'est non seulement une question de créativité, d'écriture, mais aussi une question d'entourage, de stratégie, de positionnement. Et c'est des reines du marketing. Et ça, je trouve ça fou. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois le lien avec mon mari, où on a l'impression que mon mari pourrait se passer à n'importe quelle époque. Alors que celui-ci, il est très ancré dans son époque. Dans mon mari, on a vraiment l'impression que vous décrivez une femme qui finalement a beaucoup de mal à être indépendante, autonome. Et là, vous nous faites une description d'une femme incroyablement moderne qui sait avant même le lecteur de quoi il sera question dans le monde demain, de quoi on aura besoin, de quoi on aura envie. Et donc, y a quand même une observation, quelque chose de l'ordre de l'auscultation des femmes, non ? Oui, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Effectivement, mon mari avait été écrit davantage comme une fable. Effectivement, on ne sait pas à quelle époque se situe l'histoire. Aucune date n'est donnée. Alors, elle a un iPhone. On se doute bien que c'était pas au 19e siècle. Mais en soi, il n'y a aucun nom de ville, aucune date, rien pour la situer ni géographiquement. Ni son prénom, pardon. Son prénom ne donne pas d'indication sur l'époque. Exactement, et c'est aussi pour ça qu'elle n'avait pas de prénom, parce que si je l'appelais Christine ou Chloé, ça ne raconte déjà pas la même époque et pas la même histoire. Donc, j'avais envie que cette femme soit une femme qui puisse, et que cette histoire puisse avoir lieu dans 30 ans ou il y a 30 ans. Une fable. Dans Célèbre, la logique était toute différente. Effectivement, comme vous le dites, c'est un roman très ancré dans son époque, avec beaucoup de références ultra-modernes aux réseaux sociaux, à TikTok, aux pop-stars actuelles. Et c'est drôle parce que la nouvelle pop-star qui est en train d'exploser en ce moment est Sabrina Carpenter. Et elle n'est pas citée dans le roman parce qu'à l'époque où je l'écrivais, elle n'était pas encore connue. Et donc, il y a un moment dans le roman où je fais une liste de toutes les pop-stars dans laquelle Cléo s'insère et il manque déjà un nom. Donc, quelque part, il est déjà un tout petit peu daté, même si ça ne change rien à l'histoire. Et c'est vrai que c'est un roman qui parle d'une époque, d'un moment, d'un instant T. Et donc, ça ne raconte pas du tout la même histoire. Et dans ces moments-là, je suis aussi contente de... Enfin, la littérature pose aussi la question du point de vue et de qui écrit cette histoire. Et donc, j'ai 31 ans, j'arrive avec mes références, avec la musique que j'aime, la musique avec laquelle j'ai grandi, avec les réseaux sociaux. Et donc, c'est dans ce roman. Et c'est pour ça que je trouve ça si important qu'une pluralité de personnes puisse écrire des romans et d'avoir aussi, mais pas que, mais aussi le point de vue d'une jeune femme de 31 ans. Ça donne de fait accès à un autre espace qui entre en littérature et qui autrement n'aurait peut-être pas eu sa place. Et en même temps, on a l'impression que vous nous invitez à réfléchir à une forme de féminisme, alors pour le coup, plus moderne encore que la modernité, puisque vous nous présentez des personnages féminins
qui sont suffisamment atypiques et singuliers pour inviter le lecteur à réfléchir sur ce que ça change d'être une femme, finalement. Oui, précisément parce que j'adopte le point de vue du roman. Ce n'est pas un essai sur la célébrité, ce n'est pas une enquête journalistique. Donc, je n'ai pas un point de vue moral. C'était pas le cas dans Marie, c'est toujours pas le cas dans Célèbre, où je vais en faire un essai féministe pour dénoncer la manipulation des pop stars ou au contraire leur surpuissance, ou dire que la pop star est une icône féministe ou au contraire une icône complètement antiféministe. C'est il n'y a pas de point de vue surplombant ni de moi ni du narrateur. D'ailleurs, c'est une narration à la première personne, et donc c'est ce que j'aime dans le roman. C'est pas le lieu du discours, c'est pas le lieu de. D'une prise de position, mais effectivement, je montre le roman, c'est le lieu du particulier, de la scène, et donc on vit des situations et le lecteur se fait sa propre idée. Et donc concrètement, par exemple, dans Célèbre, il y a une scène de tournage de clip où Cléo, mon personnage, est à moitié nue à faire des choses qu'on pourrait juger assez dégradantes. On lui dit donc pour tourner ton clip qui n'a d'ailleurs les paroles n'ont rien de sexuel, ça s'appelle « I feel nothing », je ne ressens rien, et on lui dit « est-ce que tu peux te mettre à quatre pattes et te mettre à miauler ?» Elle dit « pardon ». Et ça montre quand même que certaines choses ne changent pas, et cette scène est écrite avec de l'humour, elle est montrée telle qu'elle, et là, on peut en faire ce qu'on veut, on peut dire « bah oui, maintenant, c'est elle qui écrit ses paroles, c'est elle qui est en contrôle de sa carrière, elle fait bien ce qu'elle veut de son corps, et le féminisme, c'est aussi ça ». On peut se dire au contraire « mais rien n'a changé », c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les pop stars étaient déjà à moitié nues et sexualisées dans leurs clips, en 2024, c'est encore le cas. Est-ce qu'on s'interroge du coup avec ces deux personnages, dans ces deux livres, sur le fait que les femmes cherchent encore aujourd'hui, malheureusement, pour exister, une place, une identité, via un mari, une carrière, mais en tout cas quelque chose qui les distingue? Je sais pas si je dirais ça. Parce que c'est pas ce que je pense, et donc je suis pas sûre que c'est ce qui transparaisse dans mes romans. Est-ce que, en tout cas, c'est une question que vous posez? La question de la place des femmes? Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une question que je me pose, mais je la pose par le roman. Ne serait-ce qu'en écrivant des personnages de femmes, des personnages principaux qui sont des femmes et qui ne sont pas des femmes parfaites, qui ne sont, sont pas des oies blanches. Ne serait-ce que ça, de faire un personnage de femme compliqué, complexe, méchant. Il y a quelque chose de haute, qui dit quelque chose de mon rapport au monde, qui dit que les femmes sont des êtres humains complexes. Et je vois notamment, c'est drôle, l'intérêt que suscitent mes deux romans en adaptation audiovisuelle. Plusieurs demandes par semaine d'adaptation, et parce que je pense qu'il y a aussi un manque dans des rôles de femmes complexes, méchants, ou en tout cas pas parfaits, ambigus, et peut-être qu'effectivement il y a un manque de représentation ici. Il y a un autre sujet, parce qu'il y en a beaucoup, c'est celui de la famille, qui est très intéressant dans ce livre-là, mais aussi dans Mon mari, finalement, puisque vous auscultez, là encore, la famille, dans Mon mari, de cette femme qui éprouve beaucoup moins d'intérêt pour ses enfants que pour son mari. Et dans celui-ci, on voit bien comment ce personnage se distance avec ses parents, dont elle trouve qu'ils ont une vie pitoyablement lisse, parce que finalement, elle est heureuse. Cette vie-là, et en même temps, ça pose la question des parents qui s'interrogent sur ce qu'on sait de ses enfants. Donc, le sujet de la famille est un sujet récurrent jusqu'ici, en tout cas dans votre écriture aussi, quand même. C'est la première fois qu'on me le dit, parce qu'effectivement, dans Mon mari, on dit « Ah bah dis donc, les pauvres enfants, ils sont quand même pas franchement choyés par leur mère. » Et il y a de nouveau une scène dans Célèbre où sa meilleure amie d'enfance, Juliette, a un bébé. Et donc, Juliette présente son nouveau-né à Cléo et à sa famille. Et Cléo est furieuse en disant « Mais pourquoi ce bébé au centre de l'attention ? Il a rien fait. » Moi, j'ai écrit des albums, des chansons, je suis une star. Et là, on s'émerveille, il ne parle même pas. Et donc, c'est quand même assez cruel, le point de vue posé sur les enfants. Et même le point de vue sur ses parents, les parents de Cléo, comme vous l'avez rappelé. Elle est assez cruelle et assez distante avec eux. Donc, mais effectivement, est-ce qu'on peut raconter... est-ce que je peux raconter la trajectoire de mon personnage sans poser la question de ses liens familiaux? J'aurais pu, c'est vrai, mais ça pose aussi la question des bornes. C'est une question
à laquelle je réfléchis beaucoup quand j'écris, parce que n'oublions pas que le roman, il arrive tel un objet fini, mais c'est purement arbitraire, la question de quand est-ce qu'on commence une histoire, quand est-ce qu'on la finit, où est-ce qu'on met nos bornes. Et donc c'est un roman en trois parties. La foi, toutes ces années avant de devenir célèbre, l'ascension, deuxième partie, et troisième partie, la gloire. Et ça n'allait pas de soi de l'écrire en trois parties. Je voulais questionner la célébrité. J'aurais très bien pu commencer mon roman à son ascension ou même à sa gloire en disant « je vais raconter l'histoire d'une femme très célèbre ». Là, on a quand même un petit tiers du roman qui est avant sa célébrité et donc qui pose effectivement la question de ses origines, de sa famille, de ce manque qu'elle ressent, de cette frustration alors qu'elle vit dans une famille très heureuse. Donc c'est vrai que c'est des questionnements qui ont intégré mes romans. Mais peut-être qu'un jour, je ferai un roman sur la famille. Non, mais c'est là où vous êtes très forte. C'est parce que, du coup, vous vous autorisez effectivement à ce que ces femmes sont mères ou filles avec un détachement redoutable sur la famille. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, vous nous poussez, en fait, à nous interroger sur la légitimité des actions qu'on peut faire avec nos parents, nos enfants, de la place qu'on y accorde, de ce qu'on ne fait pas pendant ce temps. Enfin, vous interrogez quand même une féminité à nouveau au vitriol quand même en prenant ce biais-là. Peut-être parce que je m'autorise tout, comme vous le dites. C'est peut-être une des rares règles que je m'applique lorsque j'écris, c'est ne pense jamais à ton lecteur, ne pense jamais que tu seras lu. Ne pense jamais que ta mère va lire ce livre. Non, mais c'est une vraie question. Cléo est très cruelle avec ses parents. Donc, j'ai fait un petit moment de pédagogie avec mes propres parents que j'embrasse en disant « Papa, maman, je suis en train d'écrire le deuxième. Sachez que les parents sont mis en scène plus que dans mon mari et que ce n'est pas vous, que ça ne dit en rien quelque chose de notre relation. » Donc, je les ai préparés. Et après, je me suis dit « Je les ai préparés. » Ce sont des grandes personnes. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Et moi, je dois écrire. Et donc, pour écrire, je dois faire comme si je ne serais jamais lue. Et c'est à cette unique condition que je peux m'autoriser, justement, à, dans mon mari, dire « Oui, enfin, bon, mes enfants, je les aime pas trop, quoi. Enfin, je survivrai... » Une phrase qui a beaucoup fait réagir. « Je survivrai à la mort de mes enfants, mais pas à celle de mon mari. » Et réagir beaucoup de lecteurs et de lectrices. Je me l'autorise en toute quiétude. Aussi parce que je n'ai pas d'enfant encore, ce qui rend aussi, donc je profitais aussi de ces lèvres, j'ai pas encore d'enfant, pour pouvoir écrire en toute liberté. Est-ce que lorsque je serai mère, j'oserai encore faire une scène comme celle que j'évoquais avec un bébé en disant « mais c'est quoi ce bébé ? On s'en fiche de ce bébé, il n'est pas intéressant ce bébé, moi je suis plus intéressante » et tout cette espèce de compétition qu'elle a avec ce nouveau-né, si moi-même j'avais un nouveau-né dans ma vie, je sais pas si j'espère que je continuerai à me l'autoriser. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'instant T, j'essaie de m'autoriser tout sans penser aussi à l'action de l'image de moi que je vais renvoyer. Parce que notamment avec mon mari, mais aussi avec Cléo, on se dit « mais c'est pas très flatteur ». Je pourrais écrire des livres avec des héroïnes vertueuses, courageuses, des livres politiques avec une grande beauté qui ferait de moi une grande écrivaine respectée. Mais vous faites tout ça, hein. Je pense que ça vous a échappé, mais vous faites tout ça, hein. Parce que dans c'est pas très flatteur comme portrait. Alors le portrait, votre personnage, oui, n'est pas un personnage avec qui on a envie d'aller boire un café, d'accord. Mais votre écriture, la description que vous en faites et les sujets que vous nous amenez finalement à interroger sont de cet ordre-là, puisque vous tirez le trait à l'extrême. Pour nous faire réagir. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du saisissant dans votre écriture pour nous faire nous poser la question sur les gens qui sont autour de nous. Et donc, finalement, cette écriture, elle est incroyablement moderne pour les questions qu'on se pose aujourd'hui et la façon dont elle les aborde. Bon, il se trouve que vous tirez le trait vraiment à l'extrême pour provoquer. D'ailleurs, pourquoi ? C'est la seule manière que j'ai trouvé d'écrire. Autrement, lorsque je reste dans la tiédeur, pour l'instant, c'est sans intérêt. Et ça me pose beaucoup de questions pour le troisième que je n'ai pas commencé à écrire. Mais je me dis, mais est-ce que je vais être obligée à chaque fois de provoquer, d'aller dans l'extrême pour trouver une vérité, pour trouver une sincérité ? Et Cléo, quand j'ai commencé à écrire, elle était très sympathique. Ce n'était pas mon projet littéraire. Moi, je voulais écrire l'histoire d'une femme qui voulait devenir célèbre pour comprendre la célébrité. Et plus j'écrivais, toutes les scènes que j'aimais, une des premières que j'ai écrites,
qui est restée, qui a été sélectionnée dans le processus de sélection, où j'en ai écrit 10 scènes, il n'y en reste qu'une. C'est une scène où elle est jalouse de sa meilleure amie, elle crache dans son cartable à la cour de récré. Et là, quand j'ai écrit cette scène, je me suis dit, ouf, on va vers là. Mais c'était presque malgré moi, mais c'était dans ces scènes-là que j'arrivais à dire quelque chose de juste. Et donc, affaire à suivre. Mais ça pose... Et là, je me rends compte parce que c'est un moment où le livre est terminé, où j'en assure la promotion, où j'en parle auprès de journalistes. Le livre existe et ça pose de fait la question de l'image que je vais renvoyer de moi, alors que c'est pas une question que je me pose pendant que j'écris. Quel rapport vous avez à la provocation ? Mais je suis pas du tout provocatrice, hein. Non, vous avez pas l'air. Bah non, c'est donc ça. En fait, c'est un terrain de jeu finalement, l'écriture, c'est un c'est terrain ça. De jeu où tout est permis et le reste du temps, vous êtes diplomate. J'essaie de l'être, mais c'est précisément parce que la littérature est mon espace de liberté absolue. Et j'essaie, jusqu'à présent, de le protéger de manière absolue. Donc l'exemple que je prenais avec mes parents est finalement assez parlant. C'est une barrière que j'aurais pu mettre, de dire non, tes parents vont te lire, n'écris pas, ne fais pas des personnages de parents désagréables. Et non, j'ai fait sauter cette barrière. Je me suis dit, parents ou pas parents, même mon compagnon, l'histoire d'amour qui est décrite dans cette histoire est franchement tragique. Elle est tragique. Elle est ignoble avec lui. Et je me suis dit, pendant un instant, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mon compagnon, mon mari, maintenant, va lire ce livre. Qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Je me suis dit, non, je ne peux pas raisonner comme ça. Donc, peut-être qu'effectivement, dans la vie, je fais beaucoup de compromis. Je suis un peu plus nuancée, quoique passionnée et assez entière dans la vie. Mais là, l'écriture, pour l'instant, est un espace que je sanctuarise et je me dis c'est l'espace où je dois être absolument libre, où je peux tout m'autoriser, où je peux tout dire. Et pour l'instant, je dis vraiment tout. Et je me suis jamais auto-censurée. Je me suis un peu posé la question en relisant le livre avant sa parution, au moment des dernières modifications. Notamment, il y a beaucoup de grossophobie dans ce livre. Une scène au début, elle arrive sur un tapis rouge et elle commente en disant « Cette robe bustier ne va pas du tout à cette femme, ça lui écrase les bras, c'est moche. » Et je me suis dit « Mais quelle méchanceté gratuite ! Est-ce que je coupe cette méchanceté ?» Je me disais « Mais ça fait partie d'elle. Elle est de fait méchante. Elle est grossophobe. Elle se moque des gens qui mangent des gâteaux. Oui, c'est moche, mais ça fait partie d'elle. » Et donc, pour l'instant, je n'ai jamais coupé ou je me suis jamais... pas autorisé à écrire quelque chose, mais pourvu que ça dure. Merci, parce qu'on s'amuse beaucoup. Et ce personnage masculin dont vous parliez, cette histoire d'amour, ou on pourrait dire le rapport qu'elle a aux hommes en général, parce qu'il y a une histoire particulière, mais il y a des personnages masculins quand même dans son entourage, entre autres. C'est intéressant parce que vous renversez quand même le truc, c'est-à-dire que les garçons sont romantiques, les garçons ont envie de s'engager, les garçons ont envie de faire des bébés, et alors elle fait quand même des bras d'honneur à tour de bras. Oui, ah ouais. Hein ah oui, et c'est oui. C'est... En fait, j'aime provoquer, on va le dire. Ah, quand même, enfin, c'est une vraie question. Oui. J'essaie aussi, lorsque j'écris, d'aller contre les idées reçues, ou en tout cas, vous savez, quand on écrit, on est face à un ordinateur, et il y a aussi la question de la langue. Et donc, on peut aussi être emmené par la plume et ta-ta-ta-ta-ta, et elle rencontre John et ta-ta-ta-ta-ta, et être emmené finalement vers la facilité. Et donc, j'essaie toujours de me dire non, pause. Qu'est-ce que Cléo ferait ? Qu'est-ce que tu as envie qu'elle fasse ? Pourquoi ? Et de rien prendre pour acquis. Et donc, de pas aller vers la pente naturelle de elle rencontre un homme. Donc, évidemment, c'est elle qui sera très amoureuse, lui qui ne va pas vouloir s'engager, comme c'est toujours le cas. Et de rentrer dans des clichés. Et ça, effectivement, je le fais de manière assez consciente. Et il y a notamment une scène dont on ne me parle jamais dans ce livre, où je l'ai fait de manière très consciente. Elle rencontre un journaliste qu'elle trouve très séduisant. Oui. Elle l'invite dans son hôtel à aller boire des coups. Et donc, elle prévient le barman de l'hôtel en disant « Je vais faire semblant de boire de l'alcool, mais je ne boirai pas d'alcool. Donc, dès que vous me servez un verre, faites-le sans alcool, mais sans prévenir mon ami qui arrive. » Donc elle a son ami journaliste arrive, enfin elle ne connaît pas quoi, un journaliste qu'elle vient de rencontrer, et elle le fait boire. Quand il est ivre, elle l'emmène dans sa chambre d'hôtel là-haut, elle le déshabille et tout cela est décrit.
Et plus comme je vous dis, j'écris mes scènes plusieurs fois. Donc plus je la réécrivais, plus j'insistais en disant ça va être un petit peu lourd là. Mais non, j'y allais en disant Vic titube, il ne marche pas droit, je le prends par la main, je le déshabille, je m'installe sur lui. Ils couchent ensemble, je vais revenir sur ça après. Et ensuite, quand elle a eu un orgasme, elle lui dit « Bon, vas-y, je te paye un taxi, rentre chez toi. » Et c'est de fait une scène de viol. Bien sûr. Et personne n'a réagi, personne ne s'est dit qu'on m'a dit « Oh, elle est impatiente, elle n'est pas gentille avec son assistante. » Je me dis « Mais ça aurait été, donc pour revenir à ce que vous dites, ça aurait été un homme qui invite, en plus il y a une relation de pouvoir, de désymétrie totale, elle est très très célèbre à l'époque, lui est un journaliste, donc il y a un rapport de pouvoir, un homme très puissant, très célèbre, invite une jeune journaliste dans le bar de l'hôtel, fait semblant de boire, donc fait semblant d'être ivre alors qu'il ne l'est pas du tout, la fait boire, et il dit à un moment « Mais dis donc, tu tiens bien l'alcool ?» Il dit « Oui, oui », et donc un rapport de manipulation, ensuite la fait monter dans sa chambre, couche avec elle ou abuse d'elle, comment on veut l'appeler, et ensuite, sans se préoccuper jamais de son plaisir ni de son consentement, lui dit « Bon, maintenant je vais me coucher, tu veux 50€ pour un taxi ?» C'est une scène ultra violente, mais ça passe mais comme une lettre à la poste. Mais vraiment. C'est dingue. Oui, c'est vrai. C'est complètement fou. Parce que d'ailleurs, ce personnage Vic, on va pas trop spolier, mais en fait, non seulement il y a cette scène, mais il y en a mille des scènes avec ce personnage qui sont atroces. Son rapport à ce type est incroyablement macho, finalement. Très viriliste. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ça pose la question de, quand on est une femme, quels sont nos passe-droits ? Et Dieu sait qu'on n'en a pas beaucoup. En tout cas, que le rapport de domination n'est pas à notre avantage. Et là, j'étais assez sidérée de me dire, dans certains domaines, effectivement, Cléo, on ne l'a pas attaqué là-dessus. Et alors, cette fameuse Cléo, donc, c'est vraiment rigolo, parce qu'alors, finalement, elle aimerait bien être amoureuse. Elle aimerait bien être romantique. Mais c'est pas possible. C'est pas compatible avec ses ambitions. Ça marche pas, quoi. Donc, elle fait des choix sans état d'âme. Et elle s'appelle Cléo. Je vous ai entendu dire dans la presse que... Enfin, je vous ai entendu raconter la raison pour laquelle vous l'avez appelée Cléo. Mais moi, en lisant votre livre, toute la durée de la lecture de ce livre, je pensais à Cléo de 5 à 7. Et je me disais, oh, c'est quand même génial. Parce que Cléo de 5 à 7, qui était cette fille qui ne sait pas trop où elle va, ce qu'elle va faire. Et là, tout d'un coup, elle devient la fille qui a... Alors ça y est, c'est bon, depuis, elle s'est réveillée. Et elle sait très très bien ce qu'elle va devenir. Ouais, c'est la nouvelle Cléo. C'est ça. Et en fait, non. Oui, alors c'est une de mes références, Cléo de 5 à 7, et le roman se passe aussi au début dans le 14e arrondissement, pas très loin de Agnès Varda. Donc de fait, ça faisait partie de l'univers, et on peut imaginer que c'était aussi une des références de ses parents. Et dans l'une des versions du texte, il y en a eu beaucoup, on comprend que c'est un prénom qui a été choisi en compromis. Son père voulait l'appeler Cléopâtre, sa mère a dit non. En revanche, OK pour Cléo, parce que Cléo de 5 à 7. Et je crois que la référence à Cléo de 5 à 7 a disparu. Entre-temps, on comprend encore le rapport à Cléopâtre. Mais effectivement, c'était le prénom parfait pour mon héroïne. Mais pas seulement. Vous disiez que c'était aussi parce que... c'est surtout par, finalement, référence... je trouve pas le... étymologique. Oui, tout à fait. Je l'ai vécu... J'ai vécu cette révélation et ensuite je la raconte dans le livre de manière romancée. Je cherchais un prénom pour mon personnage. Pendant longtemps, elle s'est appelée Louise. Ça fonctionnait bien avec son nom de famille, Louise Louvent. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Et puis, il y avait Cléo. Donc, j'ai écrit avec Cléo. Je trouvais que c'était un très bon prénom pour mon personnage. Et donc, à un moment, je fais une recherche sur Google pour savoir étymologiquement d'où vient ce prénom. Et donc, je découvre que Cléo vient du grec Cléos, qui veut dire célébrité. Alors là, c'était la fête. Là, facile, alors là, incroyable. Je me suis dit, mais c'est fou, mais c'est incroyable, mais c'est une révélation. Voilà. C'était complètement fou. C'était aligné, c'était assez drôle. Je me suis dit, mais c'est complètement improbable. Donc j'ai bien revérifié. Oui, ça veut dire la gloire, la renommée, la célébrité. Et donc, ça vient de Cléopâtre, qui est la gloire du père. Et Cléo veut dire la gloire. Et donc, je me suis dit, c'est complètement fou. Et donc, j'ai transformé ce moment de révélation dans une scène assez importante dans le roman, le soir de l'anniversaire de ses 16 ans. Ou de la même manière, on lui dit, mais ça veut dire quoi, Cléo ? Elle dit, mais je sais pas. Elle recherche sur Google, et là, elle apprend que Cléo veut dire célébrité. Et donc là,
elle part dans les étoiles. Elle dit, mais évidemment, mais j'ai un destin, si j'étais prédestinée. Je suis l'appelée pour être célèbre. C'est ma vie, c'est mon destin. Donc, il y a toute cette scène de révélation. Mais cette histoire de Cléopâtre, au début, c'est assez drôle aussi. Mmh. Vous pensiez à Cléopâtre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce côté quand même de cette figure, finalement, de femme forte. Oui, et puis d'héritage paternel. Son père est égyptologue. On comprend le lien avec Cléopâtre. Et il y a beaucoup de références à l'Antiquité, finalement, dans tout le roman. Donc, oui. On sent que c'est, on est dans la tête de Cléo et que ces références, elles parlent beaucoup de l'Olympe. Elles parlent du Kairos, à un moment, qui est un concept grec. La Grèce, l'Antiquité font partie de son univers mental. Oui, c'est un univers aussi qui est en référence à Dieu. Parce que, bien sûr, voilà, elle a quand même ce rapport divin. Elle est élue et elle est pas loin de s'imaginer morte sur une croix. Ce serait envisageable pour elle. Oui, à minima. Il y a beaucoup de personnages, vous l'avez dit tout à l'heure dans ce livre, et il y a beaucoup d'autres personnages féminins dont on s'interroge quand même parce qu'elles sont vraiment maltraitées. Vous soulignez le trait entre eux. Ce personnage qui est très fort et qui est très carriériste, qui est très déterminé et vraiment qui est prêt à marcher sur tout le monde pour y arriver, et qui maltraite les petites mains. Pas plus, pas moins qu'un homme. Elle a beau être une femme, pas plus, pas moins. Alors c'est intéressant comme question, parce que du coup on se dit, c'est pas le genre qui permet la maltraitance, finalement. C'est le statut. C'est le statut, et ça me donnerait envie que ce livre soit réécrit du point de vue d'un homme, pour se rendre compte de où est-ce qu'on tique. Est-ce qu'on tique sur la scène du viol ? Est-ce qu'on tique dans la manière dont cet homme s'adresserait à son entourage ? En tout cas, on ne tiquerait pas du tout sur ces histoires d'amour en disant, je suis en train de me construire une carrière, ma carrière est ma priorité pour le moment, je n'ai pas envie d'avoir une histoire d'amour, on trouverait ça fort naturel. Un homme pétri de grandes ambitions, avec les dents longues, on trouverait ça aussi fort naturel. Donc ça pose la question. Et effectivement, la célébrité est un pouvoir, est un rapport de force. Et donc la question, c'est que la célébrité, de fait, va de pair avec une certaine impunité. Et on le voit, il y a des exemples tragiques souvent en ce sens, et en même temps, je le comprends. Je ne la pardonne pas. Je ne dis pas que Cléo a des très bonnes raisons d'être comme elle est. Néanmoins, je vois bien que ça pose une question quand plus personne ne vous parle normalement, quand plus personne ne vous dit non, quand plus personne n'ose vous contredire. Elle le dit à un moment, elle dit « je suis un enfant de 3 ans sans aucune limite éducative ». Ça brouille totalement les repères entre le bien et le mal, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y a vraiment cette idée que là, Cléo pourrait se mettre sur une table, se mettre à hurler et tout le monde là, à sourire et à applaudir et personne ne dirait jamais rien. Oui, alors elle a vraiment un rapport avec les gens comme des pions. Elle utilise les gens comme des pions qu'elle déplace comme elle veut. Pas tout le monde. Et en même temps, ce qu'on voit bien, c'est quoi ? Une tristesse infinie ? Parce que quand elle voit Juliette, son amie d'enfance, persiste quand même quelque chose de l'ordre de la nostalgie que vous placez dans ce livre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Finalement, être célèbre, c'est que c'est un truc que vous souhaitez pas à votre meilleure amie ? Je sais pas. C'est aussi merveilleux, la célébrité. Hein. J'en fais pas une pure passion triste en disant « pauvre petite fille riche et célèbre ». La célébrité, c'est aussi du pouvoir, c'est aussi de la reconnaissance, c'est aussi c'est d'autres règles, c'est d'autres rapports aux autres, mais c'est aussi un beau cadeau. C'est la possibilité de pouvoir vivre de son art quand on est artiste. C'est... Je condamne pas la célébrité. Mais effectivement, c'était le projet. J'avais envie de comprendre, non plus de notre point de vue à nous, commun des mortels, mais du point de vue de la personne célèbre, qu'est-ce que ça fait à l'ego, qu'est-ce que ça fait à l'esprit quand tous les paramètres changent. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris ? Tellement de choses. J'ai appris qu'il peut y avoir beaucoup de violence dans le changement que du regard des autres, parce que la célébrité, c'est avant tout la manière dont les autres nous regardent. La célébrité n'existe pas en soi. Cléo, la première scène, elle est seule sur une île déserte. Quand on est seul sur une île déserte, on n'est pas célèbre. On est célèbre quand quelqu'un nous regarde.
Et je regardais une interview de l'actrice Cameron Diaz qui disait mais le matin, quand je vais boire mon café avec mon mari et mes enfants, je ne suis pas célèbre, je ne suis pas Cameron Diaz. Et ça m'avait marqué cette interview parce que je me suis dit, effectivement, à partir de quand Cameron Diaz devient-elle célèbre? Est-ce que quand c'est lorsqu'elle sort de chez elle? Est-ce que c'est à partir du moment où on la regarde différemment? Et donc, il y a aussi beaucoup de violence et notamment le regard de la mère de Cléo change sur sa propre fille et elle sent cette distance. Elle sent que sa propre mère se dit oh là là, elle est célèbre. Et ça, je pense que c'est d'une grande violence, entre autres choses. Ce sera ma dernière question, Maud Ventura. Est-ce que d'écrire des bouquins aussi géniaux, mais aussi noirs, quelque part, vous fait peur? Non. Pourquoi je devrais avoir peur? Non, je vous pose la question. Est-ce que ça vous interroge sur les idées que vous avez, ou au contraire, est-ce que ça vous réjouit d'avoir cette créativité qui est capable d'aller explorer dans les profondeurs? Ça me réjouit. Je pense que ça fait de moi une personne plus équilibrée, plus à l'aise avec mes défauts, avec ma part d'ombre. Mais ça me pose souvent la question de mes proches. Quand on écrit, on n'est pas qu'un nom sur une couverture. J'ai des parents, j'ai un mari, j'ai des amis. Et donc ça pose aussi la question de comment on protège ses proches lorsqu'on écrit. Et une de mes réponses a été la fiction, qui est pour moi une première barrière qui permet justement de bien insister sur le fait que ce n'est pas moi, que ce n'est pas eux, même si ils vont forcément reconnaître des éléments. Mais je pense beaucoup à votre entourage. À mon entourage, oui. Vous y pensez beaucoup parce que vous y glissez des choses dans vos romans? Parce qu'il y a forcément une part de moi, et que, notamment à l'apparition de mon mari, des personnes dans mon entourage ont été très blessées à l'apparition de ce livre. Et je n'avais pas anticipé qu'écrire pouvait faire du mal aux gens. Merci beaucoup, Maud. Merci. Thank you.